Kivu Times. Kivu Times. En fait, par rapport au projet Esper, nous, on a bénéficié beaucoup de choses comme population parce qu'on a remarqué qu'il y avait déjà un changement par rapport à ce projet. Dans les années passées, le Conseil de sécurité, c'était juste pour les autorités seulement. Mais à un certain moment, à travers le projet, il y a eu déjà l'implication de la population dans le Conseil de sécurité. Non seulement la population, il y avait d'autres couches de la communauté qu'on était en train d'intégrer dans le Conseil de sécurité, notamment les personnes vivant avec handicap. Il y a aussi les femmes, parce que les femmes, à un certain moment, elles n'étaient pas associées dans le Conseil de sécurité. Mais à travers le projet, vraiment, tout le monde a participé. Et nous, comme société civile, on a participé fortement. On a donné nos recommandations. On a donné aussi notre contribution, parce que il s'agissait de certains problèmes qui étaient identifiés dans la communauté. Et une fois présentés dans le Conseil de sécurité, il y avait déjà des solutions qui étaient trouvées à travers le Conseil de sécurité. Non seulement ça, il y avait aussi un rapprochement des autorités, parce que les autorités aussi organisaient déjà des descentes dans les communautés. Il y a des tribunes d'expression populaire qu'organisaient les autorités. Un espace qui donnait l'occasion aussi à la population de s'exprimer librement par rapport à certaines violations qui se passent dans la communauté. Kivu Times. Kivu Times.